mal à la place un pouvoir de transition qui nous amène dans un monde où la justice et l'honnêteté règnent. À œuvrer, c'est bien des choses. Il y a un sommet qui s'est tenu. Nous sommes des libres et il est de notre devoir de protéger nos enfants et de leur laisser un monde où leur droit et leur liberté sont. Parce que cette déclaration peut être signée par tout un chacun. Ouais. C'est parti pour la marche pour le futur. Oui, c'est ça. Bon, merci d'être venu. On est quand même plus nombreux que prévu. Il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient inscrites. Et là, je crois qu'on a une centaine. Donc, auparavant, vous avez vu qu'en fait, il y a des soignants qui se sont exprimés. Bon, c'est pas prévu, mais on est tolérant. C'est la journée en fait où. À la veille de l'élection présidentielle, on veut nous faire croire que l'histoire est déjà écrite. Mais il ne tient qu'à nous de l'écrire. Aujourd'hui, nous sommes réunis par milliers à travers la France pour faire des 5 prochaines années celles de la justice, du climat, de l'égalité et de la paix. L'urgence est là. Les crises économiques, sociales, environnementales, géopolitiques et énergétiques que nous traversons nous rappellent au contraire que nous devons changer collectivement et nous n'attendrons pas 5 ans de plus pour bâtir une société fondée sur la fin des discriminations, l'écologie, la sobriété, la sortie des énergies fossiles, la justice sociale et la solidarité, la fin des conflits. C'est pourquoi les politiques menées les 5 prochaines années reposent sur ce socle commun de valeurs que nous marchons aujourd'hui. Il faut venir pour sauver les fragiles écosystèmes de la planète. Parce qu'elle nous fait reculer cette guerre. Elle nous fait prendre du retard. Et rien que pour ça, on devrait l'arrêter, on devrait être des milliers, des millions en fait à dire stop, parce qu'à cause de la guerre, on va retarder cette transition. C'est bien donc se mettre ensemble. On l'a fait, on est ensemble. Il n'y a pas que les écologistes ici. En quelques secondes, c'est décidant. C'est très bien, nous. On peut ça chanter. Je suis sûr qu'on peut mieux faire. Je suis sûr qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire. Okay.
l'association ici présente, qu'on peut voir en panneau ou pas, on va laisser la place, on va donner la parole à Jean-Louis pour l'association ATTAC et on le remercie. Bonjour à toutes et à tous. Près de la moitié de la population de la planète habite aujourd'hui dans des zones très vulnérables. Une majorité d'écosystèmes est aussi menacée. L'insuffisance des actions climatiques des gouvernements nous mène vers une élévation de la température de 3,2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. C'est la dernière estimation envisagée au vu des engagements des États. Les experts du GIEC ne cessent de le répéter. Il faut une diminution rapide et drastique de nos émissions de gaz à effet de serre, et en particulier celles du CO2 et du méthane. Les États et les multinationales font le contraire de ce qu'il faudrait faire. Les émissions de CO2 ont augmenté de 6% en 2021 selon l'Agence internationale de l'énergie. Elles risquent d'augmenter de 16% d'ici 2030 selon l'OCDE. Pour le GIEC, les défis de 1,5 degrés est encore gagnable. Mais pour cela, il faut réduire de 25% les émissions d'ici 2025 et de 50% les émissions mondiales d'ici 2030. Il y a une alimentation basée sur les protéines végétales. Il y a une meilleure efficacité énergétique. Une réorientation de notre culture qui permet d'utiliser des nourritures fortes, compatibles avec les objectifs privés pour des réductions d'émissions. Il y a une économie plus forte, une souveraineté heureuse. Alors, j'ai montré le rythme avec mes mains. Thierry avec le tambour. Ok, vous vous rappelez? Et regardez-vous un peu les uns les autres. Ce que je vous propose, c'est de vous centrer. Merci. De vous centrer sur votre cœur en faisant ce platine, ce capping, pour envoyer le maximum d'attention à l'univers et à tous les êtres humains qui en ce moment sont en train de souffrir. Merci. On y va. Plus de banquise, moins de banquiers, plus de banquise.
Moins de banquiers. Plus de banquiers. Aussi un petit blues improvisé. Pas ce bel après-midi printanier. Au nom de notre planète, nous n'allons plus jamais laisser faire. Come on!
cœur.